bénir le Seigneur pour vos vies. Ce que je viens faire maintenant, avant la prière de clôture, je voudrais introduire le parrain mondial de nos églises pour un petit mot. Vous savez, les églises, toutes les églises du monde, chaque église a son organisation, a son administration. Et la Megvie a son administration. Et dans l'administration de la mission, il y a un conseil de l'église, il y a le clergé, mais en plus du clergé, il y a un parrain. Et pour chaque église, il peut y avoir des parrains. Mais par la volonté de notre Père, l'archevêque, il a souhaité que celui-ci, de ses fils, soit le parrain mondial de toutes nos églises dans le monde. Et je crois que cette grâce, quoiqu'elle ne le mérite pas, mais c'est une grâce qui est bien choisie. La personne est bien choisie pour cette grâce qui a été accordée. Amen. Donc je voudrais, sans trop de protocole, introduire à ce pupitre, pour le Seigneur, avec vos ovations, le président Stéphane qui prie. Amen. Saluer l'évangéliste Élie, saluer les différents hommes de Dieu ici présents. On vous rend grâce à titre spirituel, je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer les responsables politiques. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire ici, ce n'est qu'on bénit la vie de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, souvent il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de donner la place à Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Le problème avec nous, les chrétiens, surtout nous, les Ivoiriens, nous, les Africains, c'est que quand on rentre à l'église, on aime se jouer les dangereux. Amen. On aime se jouer les dangereux alors qu'on ne vaut pas de danger. Et une chose que j'ai appris avec Dieu, c'est que tant que tu te joues les dangereux, il te regarde, il t'enseigne. Amen. Donc quand on arrive dans la maison de Dieu, il est important que nous tous, on dépose nos titres dehors. On vient à la maison de Dieu, on fait ce qu'on en a à faire, et quand on ne veut pas, on reporte nos titres. Parce que tant que tu ne le fais pas, quand tu n'arrives pas dans cette posture-là, Dieu t'observe. Amen. Et je voudrais bénir la vie de mon père spirituel, l'archevêque Odia Vincent. Je suis un pur produit de la même vie. Amen. Je suis arrivé à la Megvie en 2005. Et depuis 2005, je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Vous savez, moi, c'est pour ça que j'aime les pasteurs, ils ont leur travail, et nous, là, on dit ce qu'on voit. Je dis toujours que quand Jésus marchait sur les eaux, moi, je n'étais pas là. Quand il a fait ça, moi, je n'étais pas là. Je dis ce que j'ai vécu. Je sais que quand le Seigneur m'a fait la grâce de rentrer à la même vie, je sais où j'étais. Et aujourd'hui, par sa grâce, je sais où je suis. Amen. Et quand je le dis, c'est avec beaucoup d'émotion, parce que après même tout ce qu'on a connu, Dieu a toujours eu sa main sur moi. Amen. Amen. Et je lui donne toujours la gloire pour cela. Pour cela, je voulais encourager, maman, il dit, je voudrais t'encourager, je voudrais bénir Dieu pour ce que tu es en train de faire. Et je voudrais encourager les enfants de l'église, encourager tous les... nous tous. Attachons-nous un peu à Dieu. Amen. Il faut qu'on s'attache à Dieu. Je pense qu'on a fait deux programmes, on a fait l'ouverture, on a fait tous les discours. Il faut maintenant s'asseoir. Amen. Beaucoup tournent. À un moment donné, il faut se poser. À un moment donné, il faut s'asseoir. Et à un moment donné, il faut écouter Dieu. Dimanche passé, je disais que ce qui a fait que Joseph est passé entre, avant de vendre Joseph, les enfants de son frère étaient en train de discuter, le tuer, ne pas le tuer, pourquoi ne pas le tuer. Et à un moment donné, on a décidé de jeter Joseph dans le puits. De ce que j'ai compris en fait, c'est que Joseph est descendu dans le puits parce que Joseph avait besoin de se retrouver seul. Yes. Quand il était chez son père, la Bible dit que Joseph
rapportait les propos de ses frères à son père. Donc ça veut dire que Joseph parlait beaucoup. Mais de ce que j'ai compris, quand Dieu savait ce qu'il voulait faire de Joseph, il avait besoin de pouvoir enseigner Joseph. Mais il y a un principe dans la vie d'un chrétien, quand tu parles, Dieu se tait. Quand tu te tais, Dieu parle. Amen. Et le problème de nous les enfants de Dieu dans la maison de Dieu, c'est que nous aimons trop parler. On parle. Quand on rentre à l'église, on prend le temps et on commence à regarder tout ce qui s'est passé, tout ce qui ne s'est pas passé, comment celui-là était habillé, qu'est-ce que celui-là a dit, qu'est-ce que celui-là n'a pas dit. Donc on a passé tout le temps à parler, et quand on sort de l'église, comme nous avons passé tout le temps à parler, Dieu s'est tu et on repart avec nos problèmes. À un moment donné, il faut qu'on se taise. À un moment donné, il faut qu'on accepte de descendre dans le puits. À un moment donné, il faut qu'on se retrouve avec nous-mêmes. Et puis, qu'on fasse le point. Vous savez, il n'y a rien de plus grave que quand quelqu'un ne reconnaît pas ce qu'il est. Vous savez, nous tous ici, là, chacun peut jouer les dangereux. Mais quand tu te retrouves seul, c'est toi seul qui sais ce que tu es. Quand tu te retrouves seul, c'est toi seul qui sais quelles sont les difficultés. Moi, tu peux venir me raconter n'importe quoi. Tu peux venir raconter n'importe quoi au serviteur de Dieu. Mais tu ne peux pas te raconter toi-même n'importe quoi. Donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse s'asseoir et reconnaître ce que Dieu doit faire dans nos vies. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand tu regardes ce que tu vis, est-ce que tu penses que ce que tu vis te plaît? Si ce que tu vis ne te plaît pas, pose-toi. Merci. Si ce que tu vis ne te plaît pas, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Vous savez, quand tu as traversé tout ce que moi j'ai traversé, m'attacher à Dieu n'est plus un choix, c'est une obligation. Amen. Moi, je n'ai pas le choix d'aimer Dieu, je suis obligé d'aimer Dieu. Amen. C'est ceux qui pensent qu'ils ont encore le choix, c'est ceux qui pensent que la finalité de la vie, c'est d'arriver en France. Amen. Ça va, la posture de ton regard détermine où tu vas. Amen. Si tu penses que arriver en France, si tu penses que avoir 1500 euros de salaire, si tu penses que vivre dans un HLM, c'est la finalité de ta vie, c'est bien. Mais si tu penses que ce n'est que le départ, Dieu continuera avec toi. Donc la position de chacun va déterminer ce que Dieu fera avec chacun. Ce que chacun voudra recevoir de Dieu, c'est ce que chacun recevra de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit toujours, quand Jésus fait, il dit, qu'il le soit fait selon ta foi. Donc celui qui pense qu'il vient à l'église pour danser, lui, quand il va partir, il sera bien mouillé, transpiré, il danse, tu as reçu ta part. Celui qui pense qu'il vient à l'église parce qu'il a besoin de décoller, il est fatigué de ce qu'il vit, il est fatigué de vivre pour toucher un salaire, et à la fin du mois, quand il a fini de faire toutes ses charges, il ne lui reste même pas 1 euro pour envoyer sa femme au restaurant. Celui qui pense qu'il vient à l'église pour que cela prenne fin, Dieu te donnera. Donc ce que tu veux dépend de ce que tu veux recevoir de Dieu. Pasteur Yves pourra faire sa part, le prophète Koudou pourra faire sa part, l'évêque pourront, mais tout le reste dépend de toi. Tout le reste dépend de toi. Et je le dis, je respecte tous les différents serviteurs de Dieu, je respecte la peine de tous les différents serviteurs de Dieu, mais une chose est sûre, j'ai expérimenté la grâce qu'il y a dans la maison de Dieu à la maison. J'ai expérimenté la grâce. J'ai expérimenté le fait que Dieu peut te prendre de zéro. Il efface le Z et puis met un H. Tu deviens héros. J'ai expérimenté ça à la même vie. Et je sais une chose, que celui qui s'attache à Dieu, pas à un homme, qui s'attache à Dieu, avec foi, avec conviction, avec sincérité, Dieu fait avec lui. Amen. Dieu fait encore des miracles. Oui. Dieu règle encore des situations. Dieu guérit encore. Dieu bénit encore. Ce que nous avons entendu parler des autres, Dieu le fait encore. Mais tout dépend de nous. On est venu à l'église pour chercher quoi? On est venu à l'église pour savoir, non, est-ce que, oui, la
dernière fois j'étais là, oui, j'ai vu Serge. Comme je sais que Serge Kassi va venir ici, donc alors je viens. Frère, tu vas avoir rendez-vous avec Serge Kassi, mais tu as loupé ton rendez-vous avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi. Je voudrais qu'on puisse se poser dans la parole. On puisse se poser dans l'enseignement. On puisse se poser et savoir que tout dépend de nous. On puisse se poser et savoir que là où tout le monde a échoué, toi tu peux réussir. Amen. On peut se poser et savoir que toi tu peux avancer pendant que les gens reculent. Chacun a sa grâce. On peut se poser et savoir qu'on puisse prospérer dans l'exil. Ça existe. On peut se poser et savoir que quand c'est fermé pour les autres, c'est ouvert pour toi. Qu'est-ce que tu veux? C'est de ça qu'il s'agit. Et je crois que Dieu dans sa grâce permettra qu'on puisse parler. Dieu dans sa grâce permettra qu'on puisse inculquer de nouvelles visions, de nouvelles manières de voir les choses. Et qu'ensemble, on puisse grandir. Et que toute la gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.